Alors, Gerland, j'essaye de pas trop donner de conseils pour pas faire trop d'honneur de leçons ou pas, enfin, je veux pas faire non plus mon hockey boomer, comme on dit. Ce que je pourrais donner comme conseil, en fait, c'est peut-être juste d'être spontané, puis d'apprendre à regarder. Mais pour regarder, en fait, il ne suffit pas de regarder juste avec les yeux. Il faut voir au-delà, en fait. C'est ça qui est le plus important, c'est essayer de comprendre ce que disent des choses. Dans leur silence, dans leur intimité, en fait, finalement. Ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde un paysage ou un visage, ou quand on regarde une scène, finalement, ce qui est important, c'est de voir au travers. Ce qu'on voit, en fait, nous dit de plus qui n'est pas forcément visible. Ça qui est intéressant.